Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour vous faire part d'un petit glitch qui est vraiment très très fun et qui vous permettra tout simplement de voler sous la map. Donc c'est un glitch qui m'a été proposé par Bad Gamers, donc je fais une petite dédicace. Donc ce glitch est vraiment très très fun et très très drôle à réaliser, donc certes que vous n'allez pas le faire tout le long d'une partie ou tout le long d'une journée comme un glitch d'argent, mais cela peut se révéler très très drôle à faire avec des amis. Déjà le plus drôle ce n'est pas d'être sous la map, mais tout simplement de rentrer par le wall breach sous la map. Donc c'est très très facile d'y rentrer, mais si vous êtes plusieurs, je peux vous assurer que vous pouvez tourner ça de manière très très fun. Donc moi avec Vengeance on s'est vraiment tapé beaucoup de barres pour en testant des petits glitchs avec ce wall breach. Donc on s'est tapé des barres avec Crazy Frog, l'hélicoptère Crazy Frog, je pars vraiment dans des délires. Donc bref, donc vous allez tout simplement vous rendre à l'aéroport international d'El Los Santos. Donc vous allez devoir prendre un hélicoptère. Donc pour moi j'ai pris le Buzzard, mais vous pouvez très bien prendre le Frogger ou même autre chose. Donc le Frogger pour moi c'est Crazy Frog, pour ceux qui connaissent et ceux qui ont connu Crazy Frog, bah voilà. Donc je mérite quand même de prendre la porte. Bref, donc vous savez à peu près où se situe l'aéroport international, c'est pas très compliqué. Et là vous allez devoir tout simplement vous rendre à l'endroit, à l'entrée de l'aéroport comme moi sur la vidéo. Vous allez tout simplement rentrer dans l'aéroport 9 3/4 comme dans Harry Potter, sauf que là c'est dans GTA 5, donc dans Los Santos. Et vous allez tout simplement rentrer dans l'aéroport 9 3/4. Donc vous vous placez tout simplement face à l'endroit où c'est écrit aéroport international airport, et vous allez tout simplement rentrer dans le mur comme je viens de le faire sur la vidéo. Vous allez bien rester droit, vous allez bien rester droit et ne surtout pas monter. Vous pouvez descendre, il n'y a aucun souci, mais ne montez pas, sinon votre hélicoptère va se détruire. Et après une fois que vous êtes dedans, vous n'avez plus qu'à appuyer sur la gâchette de gauche afin de descendre le plus bas possible. Et après vous allez tout simplement vous retrouver sous la map. Donc faites attention aux canalisations et aux tramways qui passent sous la map, parce qu'il y a de grandes chances que vous le preniez dans la figure. Donc du coup voilà, donc je répète un peu la manipulation. Donc vous allez tout simplement aller chercher un hélicoptère où que ce soit à l'aéroport ou un hélicoptère de chez Pegasus. Je vous conseille de prendre le Crazy Frog et vous rendre tout simplement à l'aéroport international d'El Los Santos, et vous rendre tout simplement à l'aéroport 9 3/4 comme dans Harry Potter, sauf que c'est dans GTA 5. Et après vous réalisez la manipulation comme je viens de le faire. Donc je suis tout simplement tombé dans l'eau, donc j'ai eu de gros bugs comme vous le voyez actuellement sur la vidéo, mais c'est pas très grave. Vous avez plus qu'à vous balader et à vous amuser avec tous vos amis. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour ce glitch, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez vraiment un maximum de likes et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à tous à très très bientôt, allez ciao bébé tout le monde.